L'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kasika sur les cadres. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM, Sport à la Une. Et chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire.
Jeudi 17 août 2023, amis, Sport Radio, Télé Toxique, 91.3, bonjour, c'est émission Sport à la Une qui entre la caillou pour matin là, mais qui présenté par Metellus Batelbi et Jaouli de Saint-Libem qui a pas touché bouton là pour matin Jaouli de Saint. Sur le plan local, jeudi, Jaouli Dessin, nous parlions pour nous parler de grande finale qui parle gagner dans le championnat Tipoto Namadlon. Nous parlions pour nous parler de quart de finale qui parle gagner dans la zone 4, dans l'émission 1, dans Deletan. Nous parlions pour nous parler de, surtout, 5e, 8e de finale qui réalisé dans la Coupe à Capalamoy hier après-midi entre équipe criminelle et équipe Gros Sablan. Il y a un match de football lui-même qui a fini en faveur criminelle. Eh bien, nous parlions pour nous parler de déclaration entraîneur ou encore joueur équipe criminelle ou gros sabot équipe gros sable. Sur le plan national, nous parlions pour nous parler de Vicente Calderon, le nom c'est de Gabriel Calderon, pardon, qui a annoncé l'issue Grenadier pour capable jouer semaine qui parle la Ligue des Nations à l'échelle nationale. Toujours à l'échelle nationale, nous parlions pour une valeur de éliminatoire mondial U17, même pour côté mesdames, puisque calendrier ça lui-même li complet dans le moment n'a pas lié là. Il y a un calendrier qui déjà annoncé la couleur avec des équipes tankou Haïti lui-même qui prend la bataille dans le grand éliminatoire. Si là, nous parlions pour une valeur de Schneider, Borgelin lui-même qui prêtait à New Mexico, Schneider. Borgelin qui a évolué dans MLS là, qui voit que Guillaume Prêt qui fait celui-là, c'est New Mexico United qui prêtait joueur football si là international haïtien. À l'échelle internationale en football, marché transfert lui-même a continué et nous allons pour nous parler de Super Coupe de Roupland hier, FCCV lui-même. Qui t'a perdu une autre fois Super Coupe d'Europe ça et équipe football Manchester City qui remporté Super Coupe d'Europe pour la première fois et Pep Guardiola qui s'est entraîneur équipe football et Manchester City lui-même est devenu devenu entraîneur qui plus titré parmi entraîneurs et même bien Pep Guardiola lui-même qui est bien déjà et près 4 titres avec Manchester City. Il y a un bien chiffre qu'il t'a fait avec Bayern Munich ou encore Barcelone. On a parlé là de Flamengo, on a parlé de Pep Guardiola, lui-même qui c'est international espagnol qui a tout simplement entraîner équipe Manchester City là et nous allons être temps pour connaître qui ça lui-même lui prend offrir pour saison 1 à équipe Chelsea, à équipe Manchester City là, puisque équipe Manchester City là, qui commençait saison là avec un titre. L'autre côté toujours nous allons aller avec actualité sportive pour nous parler de Neymar lui-même qui aime bien parler après un contrat qu'il doit signer avec le club Al-Hilal. Nous pourrons présenter combien de joueurs qui quittent en Europe qui allent jouer dans la zone Arabie Saoudite là. Nous pourrons présenter des équipes par équipe puisque nous connaissons ces émissions pour ça qui fait suivre tout dernier détail dans la question sport là, quel que soit en football, en basketball, en volleyball. Mais j'en t'ai annoncé là
Jean-Louis Lester, l'a touché bouton yo, mettez Luis Barthélemy, dans mes courants, nous saluons toutes les amis qui ont suivi nous sur page Facebook Radio et toutes les amis qui abonnent 91.3 en FM Stereo, Jean-Louis Lester. On a démarré avec actualité sur le plan local dans la Kouna Madlon. On a dit que c'est prêt à la grande finale championnat type auto qui a organisé dans la Kouna Madlon. C'était tout d'abord la troisième édition compétition ça, et bien sous l'ordre de Joël Malheur dit Joël Victor organisé compétition ça, nous déjà connaissons deux adversaires qui peuvent faire grande finale dans le championnat Tipoto Namadloa, c'est pral bien section des jeunes qui peuvent jouer face à Maozo. Il y a une telle compétition lui-même qui était annoncé la couleur, une compétition nous donne chance bien assister en pile match la dernière, bien qui peut bien créer sensation dans la cour Namadlon, championnat ça lui-même qui tout d'abord a annoncé la couleur là, puisque il y a pile les amis qui toujours fait le grand déplacement pour assister championnat c'est là Namadlon. Si je viens là, tout le monde rendez-vous demain dimanche là qui a 20 août 2023 dans grande finale compétition c'est là. Après quart de finale même il doit clôturer dans zone 4, c'était dimanche là avec un dernier résultat de Bois-Calais contre Vétéran, 2-0 dans ses études au but. C'est pour demain dimanche là, et bien nous pourrons connaître quart de finale qui pourra arriver démarrer dans zone ça. Monsieur pour comité lisse surtout programmation quart de finale même de là, nous pourrons être éteints pour connaître comment ça lui-même les pral passer pour amis auditeurs qui absuivent émission sport là, et surtout monsieur qui n'a fondé de nous qui par jamais pas et n'est pas fait part de calendrier si là et n'a pas monsieur plus capable mieux fait tirage au sort pour les quart de finale dans le championnat et dans le championnat pardon zone 4 là lui-même qui a organisé dans le fond de la zone de l'état. L'autre côté, nous prenons dans mon BTL pour les amis auditeurs Radio Télé Toxicio, puisque dans mon BTL il y a un championnat qui a organisé dans la zone si là, il y a un tel championnat lui-même qui a annoncé la couleur dans mon BTL, puisque toujours il y a un match de football qui a après jouer dans la compétition. Là, nous parlons du que selon Luc Kenzi qui est toujours là pour faire part de calendrier compétition ça et rencontre qui est mieux pour gagner
dans le championnat, si là, n'a pas dû gagner hier, FC Tolg qui gagnait, et Mira passe 3-0. C'est Diouf qui doit inscrire tous les 3 goals FC Togio. Jeudi 17 août 2023, a bien FC Poula qui a pas joué avec Atletico de Montbetel. Tout le monde invité, c'est 50 gouttes pour pouvoir gagner pour payer match football ça. Dans barrière, c'est avec quoi Luc Enzi qui t'a envoyé notre ça pour nous là, qui dit que championnat lui-même, lui a continué dans mon BTL, et bien ou même qui c'est fanatique, émission ça, qui c'est Castro Sport. En allant dans le cadre championnat international, et bien qui peut les amis auditeurs qui absuivent sport à la une, et bien qui a pu le travail, Jaouli Dessin, lui-même, lui a réalisé dans l'émission sport ça là, pour n'aller pas lourd de mes championnats international, c'était tout d'abord le 5e, 8e des finales qui devra arriver organisé. Nabzoutou gagné équipe football criminel hier qui éliminé Goussab 2-0 dans le championnat Silla. Mais en suivre réaction, Rennes Rinal dit pas de dos dans micro média tout côté. Jean-Oli Dessin. La place, on connaît d'habitude c'est titulaire et coach a été fait choix pour commencer à voir. Sur les bancs des remplaçants, impression après, c'est un coup de jeu, ou entrer et puis leur entrée ou changer physionomie, ou entrer et puis leur entrée ou changer physionomie match. Et bonne petite explication de ça. Bon, je salue mes amis de côté, je salue tout le monde qui suit nous là. Bon, et souvent, c'est moi qui te demande de coacher ça. C'est ça que je viens en retard parce que nous fatiguons en pile, nous jouons chaque jour. On va nous descendre une petite douleur de Diko Chambapka a commencé. Qui t'aime garder matcha pour me visionner là pour me garder qui ça m'a fait les monter. Parce que quart de finale, c'est pour aller un adversaire de taille qui c'est Beauchamp. Ou dit ou fatigué en pile parce qu'on joue en pile. Est-ce que psychologiquement, mentalement, physiquement, ou abgit prêt pour le quart de finale? Bon oui, je pense que m'abgit un bon parce que l'autre match m'est au proche. M'abgit un fin de jeu après ça pour un bon repos parce que l'adversaire son adversaire qui t'a battu nous déjà. Et bien content, c'est la phase ça nous gêne avec pour nous tirer l'évangile, pour nous mettre le dehors dans le championnat. Et je pense que l'équipe criminelle, là, son équipe qui sortit dans le quartier populaire, qui a pile le monde derrière, ou qui a pile le fanatique là-dedans, un message pour les fanatiques après victoire ça et puis pour le prochain match. Après victoire ça, je dis fanatiques, que je ne sais pas chercher, je ne suis pas criminel, je ne peux pas mettre dehors. Et puis, je suis confiant, face Beauchamp, je ne suis pas criminel toujours. Mais dis à tout côté, remercie. Oui, merci, immédiat côté tout. Merci. C'était Rens Rinal Dipadodo, nous connaissons qui c'est joueur équipe criminelle là, qui était dans le micro-média tout côté, après un important résultat et match footballier, guerre de 4-8e de finale, championnat et zone de 2e édition. On continue pour faire suivre réaction et bien Mackenzie Célestin qui c'est capitaine équipe Goussa Blanc, qui c'est Timoun Goussab, Namiko, Média, tout côté. En 8e de finale, il y a un favori compétition. Hein? Nous avons très, très triste impression après l'élimination. Doès, je salue. Je ne vais pas cacher du Doès, ce n'est pas un résultat que je vais chercher. Mais comme c'est football, je me vraiment senti ça dérangé parce que ce n'est pas de la même dérivée. Parce que l'objectif n'est pas atterri, c'est pas la même arriver. J'en dis à nous pas, objectif là, c'était aller plus loin dans la compétition. Malheureusement, on a quitté la 8e de finale. Et un message pour fanatique Goussab qui espéré grand chose dans la compétition. Message pour fanatique Goussab, c'est merci parce que vous avez supporté l'équipe là. Et nous pas arrivé à atterri, mais on a toujours demandé pour supporter l'équipe là à chaque fois que nous avons participé dans la compétition. C'est ça m'dab dire. Première fois jouer pour Goussab ou pas arriver loin ou te fait choix pour jouer pour Goussab, est-ce qu'on regrette choix ça? Non. M'ba regrette le fait que m'de jouer pour Goussab parce que c'est timon en mieux. M'ba kon jouer avec facile mais pendant m'de porter uniforme yo m'de vle arriver pour m'de remporter un trophée ensemble avec eux mais c'est pas le cas. Et ou continuer porter couleur Goussab?
m'ba dit oui m'ba dit non parce que vous connaissez c'est pas toute fois qu'a gagne compétition ça. Eh bien média tout côté remercie. OK d'accord merci. C'était tout d'abord Célestin Mackenzie qui était dans micro média tout côté pour belle raconte Silas nous faire suivre réaction mien et joueur football yo ta cour rentrinal pour équipe criminelle là et Célestin Mackenzie pour équipe football Gros Sablan en Alpha suivre réaction coach criminel là qui c'est Jean Hervé Saint-Il, un coach qui passait de présentation dans le football national là, surtout dans le club première et deuxième division, yo, qui doit rejoindre l'équipe criminelle là près de deuxième tour de compétition, à moins qu'il doit jouer, disputer deux matchs dans le premier tour là. On suivre réaction Jean Hervé Saint-Il pour FC Criminal. Qui s'est entraîné. 8e de finale là, ou très remonté après match de football là, surtout avant match à te fini. Ça explique ça. Bon, c'était plus qu'un défi, c'est une situation qui te permet que au moins et match à te paraître comme ça. Moi-même tout, je suis obligé à faire bonne garde côté Miami, tu as fait ça, je vais faire. Et tout en pensant que les gens qui ont pour responsabilité, arbitrage, tout a fait ça, je vais faire. Donc, dans le cas ça, je suis obligé très réactif. J'aime tout le monde obligé très réactif. C'est vrai que nous avons fait ajustement technique, même t'estimer tout si j'ai des erreurs, arbitrage qui te fait tout, ça te catastrophique pour moi, même juste à éviter. Ou estimez qu'il y a une erreur d'arbitrage dans le match? Moi-même, quand je dis à deux ou trois reprises, par contre, les décisions arbitrales pas tellement en faveur. Bon, peut-être arbitre là, c'est chef souverain, lui, peut-être à un certain moment, qu'il a décidé de s'enlever. Mais les décisions, ça, que des fois, qu'on est évident, c'est tout pour nous, quand côté jugement, aller libre, aller dans le bon sens. Bon, il y a des choix à faire dans le match. Il y a un joueur comme Harrison, nous pas trop connaît, qui démarre comme titulaire et qui marque un goal. Et puis il y a Lino 9 qui monte en coup de jeu, qui double mise en bonne victoire là. Choix tactique où tu as décidé de jouer tout avec Wens Renal, qui sont joueurs tout le monde aimé, qui t'a commencé sur les bandes remplaçants. Pour qui ça choix ça yo? Bon, je me promets que son équipe n'a pas laissé. Et dans qui mesure, je fait quelques ajustements, je me dis, je ne t'ai pas laissé si je suis capable de porter. Touche pas, je te dis que Diego est qualifié parce que je suis venu dans l'équipe à 3 points, je suis toujours qualifié, je suis pas de vétéran, mais c'est pas tant comme ça. Donc la bataille là, n'a pas continué. Donc je me suis dit, touche pas, et je me suis pensé, et qui j'aime faire au moins pour me faire que les criminels ont l'autre visage par rapport avec les salles de déjà. Et est-ce que Ougita senti touche pas dans l'équipe là? Bon, au contraire, j'ai un problème, mais je vais gérer avec l'administration de l'équipe là parce que j'ai besoin pour l'équipe là venir sur le terrain, j'ai besoin pour que. Vraisemblablement, l'équipe de la Vio dit oui, ça c'est l'équipe coach RVA. Donc, je vais essayer d'arranger avec l'administration pour que le problème soit résolu une fois pour toutes. Vous qualifiez pour les quarts de finale, adversaire là, c'est pour le Beauchamp, c'est pas un adversaire petit sur le quart de finale choc. Et comment on pourra l'aborder, comment on pourra le préparer, match de football ça? Bon, préparation toujours les mêmes, sauf que moi je voulais vous connaître que Beauchamp sont adversaire qui pesait lourd dans la balance. Non? Mais souvent, ça ne peut pas dire pour autant que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le présenter. Donc, il y a une stratégie de combat. Nous ne pouvons pas connaître. Donc, nous attendons à ce que l'avenir décide de sortir moi-même avec Beauchamp. Parce que sans nous le doute, c'est une de nous qui pouvons gagner. Donc, il y a trois résultats dans le match. Je pense que Beauchamp a un plus bon. Moi-même, tout le monde a un au moins, il y a un plus bon tour. On ne sait jamais. Mais tu as tout côté remercie. C'est moi pour remercier. Et c'était tout d'abord Jean-Hervé Saint-Il, entraîneur équipe criminelle là, qui tape impression lisse sur match que vous jouez et vous gagnez dans 8e de finale championnat. Interzone, deuxième édition qui est organisée par Ligue Football Porte Payant, Média tout côté, MVP Wireless, Amien, et n'a pas allé avec Estilien Jerry, Jerry Dorélien, pardon, c'est pas Estilien, puisque Estilien Jerry, c'est joueur Belle Coulonne, Jerry Dorélien, qui c'est entraîneur de l'équipe football Gros Sablan, hier, qui est tombé dans le cadre 8e des finales. En suivre, réaction, Amien Jerry Dorélien, semblé rêve-là, pas atteinte. Coach Dorélien Jerry, ou éliminé à 8e de finale face à l'équipe criminelle là. Un très bon match qui pourra quitter comment cette compétition qui était une favori. Malheureusement, ou a quitté compétition en 8e de finale avec qui sentiment ou a quitté compétition. Salut, il venait de West. Bon, ça fait nous mal côté nous sommes belle équipe.
Bon, l'équipe a joué très bien. Bon, je dis, hein, bon, nous capables, nous prenons des fêtes là. Bon, nous ne pouvons pas faire avec ça. Bon, nous essayons avec. Qui sont reprochés, joueurs, après des fêtes ça? Bon, nous capables de jouer, nous, côté, jouer, nous, pas vraiment frapper filet. Bon, on a travaillé, bon, nous pensons pour l'autre année. Équipe la tourner, l'autre année, équipe la tourner. Un message pour fanatique gros sab qui t'a espéré gros bagay dans la compétition, hein, nous pas arriver à réaliser rêve là. Bon, fanatique yo connaît bagay yo qui j'en oué. C'est on il, on défaite, bon, c'est défaite là, on victoire. Bon, c'est défaite là, nous obligé prendre. Bon, nous obligé accepter avec l'autre année, équipe la tourner. L'équipe la tourner, nous t'a souhaité nous tourner pour venir chauffer l'équipe yo. Média tout côté, remercie. Nous remercions tous les médias tout côté. C'était Jerry, Dorélien qui était dans le micro, média tout côté, qui t'a répondu aux questions d'Ores Ivnerg comme journaliste Farrier, média tout côté, qui t'a tout simplement parler de l'activité de défaite que vous prenez hier dans le championnat, championnat interzone, en aller dans Demelus, Jaoni de Seine à Demelis pour qu'on a là pour nous dire que bien gagné demi-finale championnat Tipoto dans Demelis qui a démarré samedi 19 août 2023 à bien Inter de Demelis qui pourra jouer face à l'équipe FC Kouyoutla et bien c'est à 5h PM match football ça y est même il a joué dans Demelis en dimanche 20 août à bien gagné VPN qui a fait demi-finale face à Poumé Damio dans le championnat Tipoto qui a joué dans Demelis. C'est Saint-Ville Woodley qui signé en Banotila qui fait joindre dernier détail sa yo sous question championnat Tipoto qui a fait dans Demelis. On continue avec actualité sportive maintenant sur le plan national pour les amis auditeurs qui suivent nous pour matin là. Surtout nous gagnons pile les amis qui en bas page Facebook et Radio 1. Mais nous avons dit que Gabriel Calderon qui est sélectionneur équipe nationale senior noir bord de messieurs, il va annoncer liste pour disputer Ligue des Nations en semaine qui peut venir là. Après une participation désastreuse dans Gold Cup 2023, sélectionneur haïtien une nouvelle fois sous scène internationale pral aller dans la Ligue des Nations dans le mois de septembre qui va venir là. Grenadier pral affronter formation cubaine et seul Jamaïque dans la Ligue A. Mais sélectionneur Gabriel Calderon le pral annoncer liste liant pour semaine qui pral venir là. Mais Grenadier donc pral mieux gain chance pour y battre pour aller dans le Gold Cup pour la prochaine Coupe América qui pral arriver fête là. Partenaire Franzi Pierre Royo pral faire rassemblement le 4 et 13 septembre avant pour accueillir en vendredi 8 septembre dans le stade olympique Félix Sanchez là en République Dominicaine et bien équipe football Cuba avant pour que déplacer à Kingston dans la capitale pays Jamaïque pour jouer contre Jamaïque le 12 septembre et bien soit 4 jours plus tard. Mais sélectionneur Calderon l'a confirmé, il peut aller dans cette sélection et il peut aller bien surtout mettre lisse li en dehors, c'est peut aller non semaine qui pral venir là. En quitter messieurs yo, pour aller bon côté mesdames yo Jaoni Destin qui a touché bouton yo et qui n'a deux caméra pour émission espèce là pour aller dans l'éliminatoire mondial mais calendrier complet sélection haïtienne féminine dans la catégorie tranche de ça qui c'est 17 ans pour aller jouer le prochain adversaire équipe football haïtienne lui-même libéral il va gagner dans émission sportive là mais n'a dit que et n'a dit que là, eh bien, à partir du 25 août, sélection haïtienne féminine n'a moins de 17 ans pour disputer CONCACAF Women's Championship là en République Dominicaine. Et Tigrenadier yo pour retrouver yo dans le groupe B1, eh bien, pour y phase éliminatoire Coupe du Monde là. Après troisième place glanée par équipe masculine
U15 masculine, U15 noir. Et mais maintenant, c'est tout, mesdames, qui parle foufouler pelouse dominicaine. Dans la compétition contre CACAF organisée, Haïti lui-même qui placé dans le groupe B1, qui parle affronter Cuba, la Barbade, Antigua et Barbuda, enfin Saint-Martin, pour yon et place vergue prochain tour pour éliminatoire cela. Mais un groupe B qui est préparé quasiment facile pour mesdames I17 Mouyo. 6 premiers groupes yon pral qualifié pour deuxième phase éliminatoire cela. Yon pral rejoindre deux nations mieux classées yon, Mexique, États-Unis, qui pral directement qualifié pour phase de groupe et bien championnat final. A rappeler que seules 3 équipes dans la région 1 pour avoir accès à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans qui va le fêter en 2024. Calendrier complet. Grenadier et Grenadier, le Haïtienne, vendredi 25 août, qui peut venir là à 6 p.m. Haïti peut aller pour jouer face à ce matin. Dimanche 27 août 2023, Haïti peut aller pour jouer face à Antigua et Barbuda, dans même l'heure à 6 h, le Haïtienne. Jeudi 31 août, Haïti peut aller pour jouer face à Barbade à 6 h. Samedi 2 septembre, Haïti peut aller pour jouer face à Cuba à 6 h.m. dans le cadre éliminatoire et bien Coupe du Monde des moins de 17 ans. On allait toujours avec actualité sportive puisque l'on va arriver pour clôturer page nationale et même proposant pour nous dire que gagné dans MLS Schneider bon jeune qui prêtait dans le club New Mexico United là mercredi Inter de Miami annoncé prêt Schneider bon jeune à New York à New Mexico United pour la saison 2023 et qui a évolué dans le championnat USL la deuxième division ligue nord américaine là bon jeune pour bientôt gagner 22 ans officiellement il fait début dans MLS contre Montréal CF le 25 février qui se passe là. L'étal profité pour inscrire premier goal poursuite attaquant Longeline Nantal fait 10 apparitions dans MLS là pour 2023 et 3 apparitions dans US Open Cup là. Les Saldal marqué un goal dans le tournoi mais pour qu'on est là monsieur et Morgelin prêt à quitter Inter de Miami club Lionel Andrés Messi pour sous forme de prêt pour évoluer dans New Mexico United Jean-Olivier Dessin pour nous clôturer page nationale là. L'arrivée pour nous observer pause publicité sur Radio Télé Toxique 91.3 en FM Stéréo 20 août disciple dans rendez-vous club tout le monde invité et puis École Nationale Technique Professionnelle La Salle qui permet que ma papa prenne un métier gratis jusqu'à présent. La pause. Au passé c'est une seule parole qui diaz qui a démarré plaisir vacances d'été 2023 dans le département nord-ouest Grecous Boy Production qui prend contrôle situation du monde nord-ouest pas inquiété dimanche 20 août 9h précise du soir dans rendez-vous club jazz va parler de lui en pile même si ou gagne longtemps pas de celle dans ville porte paix jazz qu'on pas direct chita en dedans disciple de gazman couleur Dimanche 20 août, 9h précise du soir, rendez-vous club Port de Paix, disciple de Gazman Couleur, artiste invité, Elie Port de Paix, animation DJ Tidor, admission 1500 gouttes à l'avance, 3000 gouttes VIP, guichet open. Dimanche 20 août, Port de Paix, 9h précise du soir, rendez-vous club, disciple de Gazman Couleur, admission 1500 gouttes à l'avance, guichet open, VIP 3000 gouttes, mon patronage, détail cuts, barbershop, Mimatak service, secret guest house and bar, Louis Fitness Gym, Neverno, Maxo Saint-Il. Information relais. 33 94 16 76 Nord-Ouest été 2023 nous la guérilla la guérilla pas vite de tisser c'est qu'on pas d'un jeu tonnerre aïe c'est qu'on pas d'un jeu pas vite de tisser pas vite de tisser je n'ai qu'une philosophie. Ou même jeune garçon, jeune fille qui besoin d'une bonne école professionnelle pour apprendre. Nous portons pour vous École Nationale Technique et Professionnelle. Vous pouvez apprendre dépannage d'ordinateur, électricité bâtiment, carrelage, contremaître, décoration, auto-école, électricité mécanique, anglais. École Nationale Technique et Professionnelle. Espagnol, français, informatique, plomberie, cosmétologie, infographie, art floral, vidéographie, dépannage en machine à coudre. École Nationale Technique et Professionnelle. Climatisation, chimie,
industriel, technique Windows, couture moderne. Pour inscrire, vous avez besoin de photos d'identité récentes, copie à naissance ou carnet dernière classe fréquentée avec 500 gouttes comme frais. École nationale, technique et professionnelle. Une institution de la communauté La Salle dirigée par les frères des écoles chrétiennes de Fatima. Chalet Rue Benito Sylvain. Numéro téléphone nous, c'est 33 51 19 28. 33 51 19 28. Une formation, un métier, un avenir. École nationale technique professionnelle de La Salle. Une école au service du marché du travail. Nouvelle session a commencé 4 juillet. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul KCK sur les cadrans. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM, Sport à la Une. Merci un pile Jean-Audi Destin après pause là pour continuer avec actualité sportive à l'échelle internationale. Maintenant nous pourrons aller dans le tennis là puisque nous avons parlé hier beaucoup de messieurs aux États-Unis. Il y a un tournoi au Cincinnati qui a arrivé jouer Alexander Zverev a bien pour le jeu face à Daniil Medvedev. Alexis Popirin pour le jeu avec Emile Roussovori. Algien Mackenzie McDonald qui a joué avec Adrian Manarino. Stefanos Tsitsipas a bien pour jouer avec Hubert Hurkacz. Carlos Alcaraz Prial gagne pour jouer avec Tommy Paul. Stanislas Wawrinka pour aller gagner pour jouer face à Max Poussel. Dusan Lajovic pour aller jouer avec Tilo Fritz. Gaël Monfils pour aller gagner pour le jouer et bien à 2h30 avec Novak Djokovic. C'est dans le tournoi Cincinnati aux États-Unis. Bon côté messieurs, bon côté mesdames et tout puisque gagné matin là Maketa et Vodousova qui a joué avec Sloan Stephens. Maria et Sakari pour aller mesurer avec Carolina Muchova, Iga Swiatek pour jouer avec Kevin Zeng, Elena Rybakina pour jouer avec Jasmine Paolini, Marie Bouskova pour jouer avec Jessica Pegula. Dans question tennis là, a gagné Daria Kasatkina pour jouer avec Aina Sabalenka, Hans Jaber pour jouer avec Donna Vekic. Dans question tennis là pour auditeur mais télé Toxic même qui a poursuivre émission là mais émission sport à la une. On continue toujours avec information pour amis auditeurs radio télé Toxic et bien ou même qui connecté et bien émission sport ça pour nous dire que gagner la question rugby pro deuxième division 1 à partir de mais de 3h, eh bien, pour gagner dans le pays de la France, Biarritz Olympique qui pourra jouer avec US Colomiers. C'est pour la question Sandé Abelé. Eh bien,
et pro de yon nan question bien Coupe du monde rugby et mes cap préparé nan question nan moment n'a parlé avec ou et men a du match amical qui pral gagner jodi an pral gagner Uruguay qui pral jouer contre l'Argentine nan rugby an c'est match amical si là qui pral gagner nan question rugby ou même qui se fanatique émission sport c'est là c'est rugby an nous pote pour en quitter rugby an pour aller basketball pour qu'on y a là n'a pas de coupe du monde tournoi olympique n'a basketball jeudi il y a un match qui annulé matin puisque il y a Ouganda qui a supposé jouer avec Nigeria match a annulé et bien gagné Sénégal les mêmes qui peut aller jouer à partir qui peut aller jouer là contre Mali, Chili à 10h10 peut aller jouer contre Colombie, Panama et bien Bahamas match basketball ça lui-même lui annulé, Uruguay peut aller jouer avec Île Vierge USA, Cuba peut aller jouer avec Argentine, Inde a jouer avec Bénin, Arabie Saoudite a jouer avec Kazakhstan. Gagné Indonésie, les mêmes qui a joué avec la Syrie. Aux États-Unis, WNBA, Bordé Milamio, Las Vegas a joué à partir de 10h, à partir de 10h avec New York Liberty, la question, bien, basketball. Eh bien, en quitter question basketball pour les amis et auditeurs qui suivent l'émission là, puisque il y a pile amis qui prennent part de écouter. Nous parlons dans handball, dans le match qui est supposé gagner jeudi en Argentine, dans la question handball, Borgo de Milamio, Uba prêt à jouer à 8h30 contre Juventus United, dans la question handball. On quitte handball pour qu'on aille là avant après nous parler dans le football, pour aller dans le volleyball. Et bien pour nous aller, il y a un compte qui peut gagner jeudi dans la question volleyball, là, Borgo de Milamio en Europe. Et bien dans la question compétition européenne, yo. N'a pas joué Finlande, mais qui peut jouer à partir de 10h contre Slovaquie. Bosnie-Herzégovine peut jouer à compter de midi contre Bulgarie. Pays-Bas peut jouer à 1h contre l'Espagne. La Grèce contre l'Allemagne à 2h. Hongrie peut jouer contre Belgique dans le volleyball. Roumanie peut jouer contre équipe la Croatie dans la question volleyball. Dans la zone Afrique, toujours bon côté Milamio dans le volleyball. Burundi pour aller jouer contre Algérie, Burkina Faso pour aller jouer à 9h contre Kenya, Ouganda à 11h contre Maroc, Cameroun pour aller jouer à 1h contre Nigeria en Amérique du Nord et Centrale pour toujours volleyball là, Canada pour aller jouer à 11h20 contre Brésil, Porto Rico pour aller jouer à compter de 4h contre Chili, République Dominicaine pour aller jouer contre Canada, Colombie pour aller jouer contre équipe football, contre équipe volleyball Pérou, dossier à suivre dans la question si là. On allait en football pour les amis auditeurs, gagnent soi-disant dirigeants dans le pays. Arabie Saoudite, eux-mêmes qui déjà aiment ouais que y a fait creuser l'autre bord dans la zone Paroua. Arabie Saoudite, les mêmes dirigeants aiment ligue Arabie Saoudite, eux-mêmes ils préalent aiment négocier avec l'UEFA pour être capable de gagner en place dans C1 qu'on connaît ces ligues des champions. Il y a un dossier qui n'a pas suivi puisque dirigeant Arabie Saoudite, ouais il y a un pile joueur qui débarquait l'autre bord dans le championnat. Ils ont demandé pour que une nouvelle formule qui peut aller gagner par l'UEFA pour la Ligue des Champions qui peut aller faire avec 36 équipes 2024-2025 là pour y entrer là dans l'île puisque y a un objectif pour que vous jouez Ligue des Champions et puis gagner un championnat de classe mondiale. Et bien c'est ça y a fait qu'on est là pour dirigeant Arabie Saoudite. Toujours information yo d'après dans Arabie Saoudite pour nal baou club des gagne 6 clubs Anessa qui fait achat de Makio n'a du gagne club Al Ali qui achète joueur ça yo Edouard Mendy, Franck Kessier, Riyad Boudebouz, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Alain Saint-Maximin. Joueur ça yo t'a évolué en Europe Al Etihad
li acheté entraîneur ça Nuno Espirito, N'Golo Kanté, Fabinho, Jota et Karim Benzema. Alfate li acheté Slaven Bilic comme entraîneur, Jason Denayer. Al Hilal li acheté Jorge Jesus comme entraîneur, Kalidou Koulibaly, Sergej Milenkovic Savic, Ruben Neves, Malcolm le Brésilien, Moussa Mariga, Neymar Junior. Al Etifak acheté Steven Gerrard comme entraîneur, Marcel Tisserand, Jordan Anderson, Moussa Dembélé. Al Sabab li même li acheté Habib Diallo. Al Nasser, li H. David Ospina comme gardien, Alex Tiles, Ghislain Konan, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo. C'est un bien joueur sérieux qui a joué dans la Ligue saoudienne. Un bien nous pral étonne pour nous connaître comment ça lui-même. L'Ipral, il va passer pour championnat ça, et bien nous voyons qui a revendiqué pour nouveau format Ligue des Champions qui va le faire pour 2024-2025 là, yo même, yo gagné en place là-dedans. Eh bien, Ligue des Champions, playoff, toujours cap continuer, tirage au soir, lui-même réalisé pour quatrième tour là, Maccabi Haïfa, après elle vient pour le jouer face à Young Boys, Royal Antwerp, après elle joue avec Aïka d'Athènes ou Dinamo Zagreb, Rakor, après elle joue avec FC Copenhague, Molde, après elle joue avec Galatasaray, Rangers, Paris, PSG Eindhoven, Briaga, après elle joue avec Panathinaikos. L'autre côté, vice-président club Brighton, non, Paul Barber lui déclaré club blanc pas pral vendre Evan Ferguson à 25 prochaines années qui va venir là il va aller dans club blanc pour continuer aventure. L'autre côté toujours à information en football Wataru Endo qui aime bien la caille équipe Liverpool là dans moment n'a pas lien là Wataru Endo qui sont japonais lui signé en Liverpool pour un montant de 18 millions d'euros. Joao Félix li envisage en Espagne club Atlético Madrid pour le résilier contre Ali avec Atlético Madrid. Tout rêve Joao Félix c'est pour jouer en dans équipe Barcelone. Entourage club là après deux mois insulte que tu as recevoir par supporter équipe Atlético Madrid. L'autre côté, Pep Guardiola li est bien devenu deuxième entraîneur qui plus titré dans l'histoire football là en Europe. Alex Ferguson qui gagne 49 trophées en 39 ans. Deuxième Pep Guardiola, 36 trophées en 14 ans. Troisième Mircea Lucescu qui gagne 34 trophées en 41 ans. Valérie Lobanovski qui gagne 29 trophées en 42 ans. Et bien nous prenons sur Erling Haaland pour une question. Super Coupe d'Europe là, c'est eh bien, équipe Manchester City qui remporte après match Bolotal fini 1-1 dans la séance de tir au but, c'était 5-4. Erling Haaland remporte 9 trophées déjà pour Carrielli. Eh bien, n'a dit que en 2019. L'Italie remporté Coupe d'Autriche là, eh bien, avec Bundesliga d'Autriche. En 2020, l'Italie remporte Coupe. D'Autriche, 2021 Coupe d'Allemagne, 2023 Premier League, 2023 FA Cup, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Pour 15 sites de champion pour John Stones Nakariali, 2018 Coupe de la Ligue anglaise, Premier League Community Shield, Coupe de la Ligue anglaise en 2019, Premier League en 2019, FA Cup 2019, Community Shield en 2019, 2020 Coupe de la Ligue anglaise, 2021 Coupe de la Ligue anglaise, Premier League en 2022, Premier League 2023, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Eh bien, Jacques Grealish, joueur équipe Manchester City, lui remporté 5 titres dans la carrière pour lui. 2022, Premier League, 2023, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Eh bien, Abdou que Pep Guardiola, maintenant entraîneur qui peut se titrer, sorti en 2008, c'est Pep Guardiola qui devant avec 36 trophées, José Mourinho 14, Massimiliano Allegri 13, Marcelo Gallardo
Carlo avec 13, Carlo Ancelotti avec 12, Zinedine Zidane 11, Jurgen Klopp 7e avec 10, 8e Luis Enrique avec 9, Nedved Diego Simeone 7, 10e Hansi Flick 7, 11e Antonio Conte avec 7, 12e Rafael Benitez 5, 13e Luis Van Gaal avec 5 trophées. Non, question Kayali, pour question Sandy Gabrielé, un bien entraîneur qui puisse citer ce titre 2008, Pep Guardiola lui-même, qui mettait au 36e trophée. Lyonnais pour un montant de 1 million d'euros en provenance de Crystal Palace dans le pays Angleterre. Toujours en transfert, Luca Angel, 24 ans, les rejoint de Middlesbrough pour un contrat de 4 ans avec Sikerborg IF. Toujours en transfert, Carlos Augusto qui gagne 24 ans, les rejoint Inter de Milan sous forme de prêt avec une option obligatoire d'achat, une valeur de 13 millions d'euros contre AS Monza. Toujours en transfert, Jonathan Boatbounès, 23 ans, les rejoint de OH Leuven pour un montant de 2 millions d'euros en provenance de Stone Goods 7, lycée cousin Erling Haaland, qui lui-même a joué dans Manchester City. Il y a Tyler Birey, 22 ans, qui est jeune Odense Beka pour un contrat de 3 ans avec Millwall. Et bien l'autre côté, il y a Tom Davies, 25 ans, qui part à faire un nouveau contrat avec Sheffield United, un transfert gratuit d'Everton jusqu'en 2026. Ibrahima Koné, 23 ans, les régions Oudé Almeria pour un montant de 7 millions d'euros en Espagne en provenance de FC Lorient. Mais Luis Maximiano, 24 ans, les régions Almeria Oudé sous forme de prêt, mais l'étape évolue en un club Lazio, une obligation d'achat, une valeur de 8,5 millions d'euros capable inscrit dans la question. Mais Nabzou Gien Koulé Palmé qui est arrivé en Manchester City, mais qui est présent pour saison ça, qui marque contre Séville dans la Super Coupe de l'UFA, contre Arsenal dans la communauté de Chidla, joueur qui gagne 21 ans, lui vient paraître comme un crack pour l'équipe Football Citizen. N'a pas en transfert Matteo Cancelieri, 21 ans, le Région Club Empolian en prêt contre Lazio de Rome. Nicolas Rovilla, 21 ans, le Région Lazio de Rome sur Rome de prêt. Lazio gagne une option d'achat qui en valeur de 17 millions d'euros inclut un accord dans la question. Précila, Dara Kasseroye, 20 ans, les régions Johnston FC, grâce à un prêt de une saison par Burnley. Nous connaissons Burnley, lui-même, qui aime son club dans le pays. L'Angleterre. Merci à tous les amis qui t'ont suivi l'émission Sport pour matin. Là, il fait 7h. Avec 55 bonnes minutes dans Studio Radio Télétoxique 91.3 en FM Série 1. Prochain rendez-vous c'est pour 5e sortie émission 1. Demain vendredi, restez connectés 91.3 en FM Série 1. J'ai oublié de s'être touché le bouton, mettez les batelmi, t'es dans le micro pour te présenter Sport à la une. Mali. Du lundi au vendredi à partir de 7h AM, Sport à la Une. À la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. C'est notre affaire.